Au sein de l'arche, les débats vont bon train, il est grand temps de faire quelque chose. Les choses vont mal, la nourriture se fait rare, le ravitaillement est des plus limités, et chaque caïd, tant bien que mal, bien d'élever sa voix plus haute que celle du voisin, en prônant diverses solutions aux problèmes que vivent les habitants de l'Arche. Certains désirent à minima, le minima de changement, de continuer tel que vous l'avez toujours vécu, avec en suivant les règles strictes de l'ancien. D'autres veulent imposer une matière forte, des règles plus strictes, et les font bien comprendre que dans ces cas-là, les plus faibles devront courber les chines. Et enfin, une nouvelle solution, une troisième solution, serait d'aller explorer la zone à la recherche d'artefacts. Que ceci pourrait peut-être permettre de peut-être de produire la nourriture et surtout peut-être de purifier l'eau. Du moins, c'était la promesse de votre expédition. Kara, une zonarde, avait persuadé Frank, Kaïd, de la suivre, de monter une expédition pour trouver un artefact dans l'une de ces usines abandonnées des anciens au plein cœur de la zone. Usine qui contiendrait un appareil magique ou technologique. Votre ignorance ne peut difficilement quelquefois savoir d'où viennent ces merveilles, mais bref. C'est comme ça que vous avez suivi Kara, vous tous, en plein cœur de la zone. Il vous a fallu un voyage presque d'une journée avant d'arriver à ce fameux bâtiment. Jusqu'ici, tout se passait bien. Et puis, alors que vous pénétriez dans le bâtiment, les choses ont mal tourné. Un escalier s'effondre, des bruits de métal, des poutrelles qui s'écroulent, le noir, l'obscurité. Kara a disparu, et vous voilà tous les quatre, livrés à vous-même. Vous avez donc, tant bien que mal, tenté de sortir de cette usine, et avez eu la chance de rencontrer les habitants des lieux. Heureusement pour vous, surtout, la chance étant qu'elles étaient peu nombreuses. Deux ghouls que vous avez fini par éliminer, voire pour certains, enfin pour l'un d'entre vous, en partie dévoré. Et vous avez dû passer une nuit dans ce bâtiment, après une exploration du secteur. Et finalement, c'est le lendemain matin que vous vous décidez de reprendre la route vers l'Arche. Mais hélas, les mains vides. Vous avez bien tenté de trouver des traces de Kara, mais aucune trace. En reprenant la route de l'Arche, vous êtes tombé dans des ruines luxuriantes, couvertes de végétation. Les arbres eux-mêmes parfois sortent par les fenêtres béantes des anciens bâtiments, mélangeant étrangement murs, structures anciennes et végétation. Vous avez eu du mal à progresser, mais heureusement pour vous, le zonard Venon, qui est maintenant votre guide, a réussi à vous trouver un chemin sûr. Et vous avez même découvert un petit coffre contenant nourriture, des balles,
Vous êtes sur une butte. Peut-être un an, peut-être même est-ce un ancien bâtiment complètement enseveli. Qui permet de voir un peu plus loin et vous apercevez donc un étang, un genre de petit lac. Au centre de ce lac se trouve donc une île couverte de végétation. Il y a bien longtemps, un pont devait mener à cette île, mais ce pont n'est plus. Ou du moins, on n'en aperçoit que les quelques vestiges. Un lieu protégé, presque isolé. Tellement isolé que Venon en est sûr. Il y a des possibilités de trouver des choses précieuses dans ce bâtiment. Maintenant, il faut prendre le risque d'y accéder, ce qui ne semble pas être une mince affaire. Au vu des quelques traces de créatures qui apparemment, d'après les connaissances de votre guide, il s'agirait d'araignées de la zone, qui devraient nicher dans le secteur, et qui sont des... comme toute créature de la zone, pas forcément des choses qu'on souhaite à rencontrer. Eh bien, il est temps de prendre votre décision, alors que vous êtes sur cette petite butte. Que faites-vous ? Bah moi, je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien ne pas rentrer bredouille. Hein. Et puis, si personne n'est jamais allé là-bas, peut-être des trucs intéressants à trouver. Ça m'intéresse. Vraiment. Ah, donc tu prendrais le risque d'y aller maintenant, Fletcher ? Bien sûr. À nous quatre ? Mais je suis bien entouré, non ? Beaucoup d'espoir, il me semble. Et quand on va tomber face à un monstre à l'intérieur de ce truc, qui nous dit que tu vas pas nous laisser là, comme Kara l'a fait ? Bah écoute, tu te souviens de ce que j'ai fait au dernier monstre qu'on a rencontré ? Certes, mais bon, t'avais pas trop le choix. T'inquiète pas pour moi. Et maintenant, comment tu veux accéder à cette île, grand génie ? Eh ben, il faut trouver quelque chose, je sais pas, il doit bien y avoir un truc, je sais pas, une petite barque. On va chercher ! Moi, je pense qu'on est pas loin de l'arbre. Ça nous ferait pas de mal de faire un petit tour par là-bas. Elle va pas bouger, ce style. Après, si tu veux rentrer avec rien et revenir après. Vous êtes sûr ? Parce que si on y va maintenant, tout ce qu'on trouve... Ah, exactement, ouais. Je parle rien de ce lac. J'ai pas entendu. Si on y va maintenant, on trouve. Bon, bien sûr, on partagera, mais s'il y a des choses... On partagera, venant de toi, c'est bizarre. Ouais, mais c'est ce que je dis, on partagera avec l'arche, mais s'il y a des petits trucs qui rentrent dans des poches, ou voyez, vraiment, l'arche n'a pas besoin, bah, on peut les garder pour nous. Alors que si on repart là-bas, il y a des gens, ils vont vouloir venir avec nous, et il y en aura moins pour... plus on divise, moins il y en a, quoi. Il m'embête. Pourquoi personne ne voudra venir avec nous ? Ils sont la trouille, de toute façon. Comment ça, personne ne voudra venir avec nous ? T'inquiète pas que j'arriverai à trouver du monde. Hein. Ah ouais, c'est ça qui m'inquiète. Comment ? Je t'inquiète ? Non. Tu sais pas toi qui parlais de piller les lieux à l'instant ? Oui, mais si, mais à nous quatre. À nous quatre ? Mmh. Étrange. J'ai vraiment l'impression que tu vois que pour toi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si on est là, c'est pour rendre service à toute la communauté, non ? Bien sûr. N'est-ce pas, Fletcher ? Bien sûr. La communauté, c'est que ça qui m'intéresse. Donc on fait quoi ? On va pas rester comme quatre ronds de flanc, là, devant le truc. Vu qu'on est devant les lieux, on peut déjà faire une reconnaissance. Ce sera déjà ça de fait. Puis en fonction, on voit si on peut ou non faire ça à 4. Ah bah bravo, bonne initiative. Allez, je vais commencer à chercher, voir si je trouve pas un moyen de traverser un truc qui flotte quelque part, un vestige de, je sais pas, ouais, là où
quelque part où c'est moins profond, tu vois, ce genre de truc. Tu t'avances donc vers l'étang, Oui. à la recherche bon, d'une barque ou quelque chose de ce type. C'est bien ça? C'est ça. Un truc qui flotte. Un truc qui flotte. Les autres, que faites-vous exactement? Je regarde quand Fletcher va se faire bouffer par quelque chose. Généralement, c'est moi qui Tu restes en hauteur sur ton point de hauteur et tu observes Fletcher qui se dirige vers le lac. Voilà, j'essaie de le couvrir, quoi, si jamais il lui arrive une merde, quoi. Quand même. Très bien. Non, moi je vais l'aider dans sa reconnaissance. Je vais pas rester sur le monticule, je vais descendre. Mais je vais plus être dans le. Je suis pas dans l'optique de traverser tout de suite, donc je vais pas chercher un moyen de traverser. Je serai plus dans l'optique de faire du repérage autour, voir s'il n'y a pas des menaces, des machins qui me poseraient souci. À l'inverse de Fletcher qui lui veut traverser. D'accord. L'aventure. Et cassé, que fais-tu? Moi, j'essaie de me sauvegarder et je reste pas trop loin du zonard qui est censé connaître un peu. Les dangers de la zone. Eh ben, notre grand étonnement, il est vrai que c'est Fletcher le plus courageux qui s'avance vers le lac. Tandis que certains se disent, je vais rester en retrait, et que d'autres disent, bon, de toute façon, il va se faire bouffer. Pourquoi je reste pas en retrait, moi? J'ai dit que j'ai descendu avec lui. Et voilà. Et Franck l'accompagne. Fletcher. Vu que tu l'es, là, Fletcher. Tu vas me faire un jet d'observation. Et tu vas avoir un bonus de plus 1, puisque tu es accompagné d'un Franck qui t'aide. Bon, ça. L'aide, je l'aide. Ah bah. Tu regardes quand même, quoi. Je regarde, effectivement. Très bien. Ce que tu vois, c'est que il n'y a pas de barque. Tu tombes sur des choses qui te ressemblent à des barques. Mais deux choses qui ressemblent à des bateaux, tu penses. Mais leurs flotteurs sont. Ils ont des gros flotteurs qui sont crevés, donc inutilisables, hélas. Tu comprends pas trop quel genre de bateau c'est. Tu remarques quand même qu'il y a deux sièges et il y a des genres de manivelles au niveau des pieds. C'est un peu bizarre. Tu te demandes à quoi ça pouvait bien servir. Alors c'est recouvert de végétation et autres. Par contre, tu remarques en fait en t'approchant du lac que au niveau du petit pont, le pont effectivement s'est écroulé, mais il devait avoir un pilier à son centre qui s'est effondré. C'est vrai qu'il y aurait peut-être moins de fond à ce niveau-là. Sans doute possibilité de traverser à gué. Mais à gué, quoi. C'est-à-dire que. Bon. Quand je dis à gué, là, de visu, tu te dis qu'il y en a au moins jusqu'à la taille, quoi. D'accord. Est-ce que je sais que Après, il y a des l'autre est en solutions, face? mais après, voilà. Je parle avec les équipements que vous avez, c'est le seul moyen que tu vois de traverser la gué ou la nage. En général, je sais que voilà, l'eau c'est dangereux. Il y a des bestioles, il y a une Bah, maladie. l'eau, oui et non, quoi. Bah L'eau, il y a déjà, il des y a mutants qui se baignent, qui nagent, hein. Il y a des mutants potentiellement des amphibiens. anguilles, Donc, déjà. ouais, il y a des endroits. Enfin, tout est dangereux, quoi, de toute façon. Le monde est dangereux. Donc, oui, l'eau potentiellement peut avoir des dangers dans l'eau. Peut avoir des dangers partout, quoi. Donc, effectivement.
Il y a des créatures qui vivent dans l'eau, mais il y a des créatures qui vivent dans les arbres, dans les partout sous terre. Donc ça, en soi, oui, enfin, de toute façon, dans la zone, tout est dangereux. Pas à part de l'idée que tout est dangereux dans la zone. Ouais, là, avec l'équipement qu'on a, pas moyen de réparer les flotteurs, hein, des bateaux à manivelle. Dans un fistolaire, pour ça, Fleischer. Non. Et puis un bateau, alors, pour vous rendre compte quand même, un bateau, quel qu'il soit, ça serait déjà en soi un artefact. Ok. Si tu trouvais un bateau, déjà, t'aurais même pas besoin de traverser, tu l'auras ton artefact, tu dirais. C'est bon. Je peux rentrer à l'arche, j'ai un bateau. Tu vois, c'est déjà rien que ça, tu vois. Eh oui. Je vous rappelle que vous êtes plutôt au stade primitif. Niveau technologie. Embryonnaire. Ah. Tu crois qu'ils vont vouloir qu'on nage là-dedans, casser ? Il est dégoûté. C'est hors de question que je mette un pied dans cette eau. C'était vois, malade, je te dis. Mon cher Franck, on peut passer là, jusqu'à la taille. Bah c'est bien, t'as repéré un passage. Mais du coup, on va pas s'y engager maintenant. Ah bon ? Bah bien évidemment. Tu veux y aller comme ça, sans savoir ce qu'il y a dans cette eau ? Ah, de toute façon, on saura jamais ce qu'il y a dans cette eau, à moins d'y aller. Oui, bien évidemment. Une fois qu'on sera mordu, c'est sûr qu'on saura ce qu'il y a. Mais si on envoie le chien de la petite, là, il essaye de traverser. S'il se fait bouffer, nous, on n'y va pas. Alors, bah écoute, essaye de négocier avec elle. Tu peux pas la pousser un peu, toi ? Tu vois, s'il commence à traverser et qu'il commence à se faire saigner à blanc, ça nous fera une bonne diversion, on aura peut-être moyen d'en rejoindre l'île. T'as raison, il faut le faire passer devant ce type. Alors, je vais vous rappeler une chose. Du moins, je vais rappeler une chose à une certaine personne. Venom, toi, t'as repéré la zone et t'avais repéré les dangers de la zone. Il peut en avoir éventuellement d'autres, certes, mais du moins en termes, le plus grand danger que tu as vu semblait pas être dans cette eau. Ouais, je sais. Après, j'ai je veux pas dire qu'il y a un risque zéro, hein. Attention. En vrai, je veux pas y aller parce que j'ai plus de bouffe. Si, t'en avais eu plein. Ouais, de la bouffe dégueulasse. De la bouffe pour les Fletcher. Non, il peut pas manger celle-là. Hein. C'est... Il peut pas manger toute la nourriture gangrénée, Fletcher. Il peut manger que de la viande crue. C'est déjà pas mal. Bon. Eh, après, vous voyez d'autres solutions possibles, effectivement, sans passer par l'eau. Sauf que vous n'avez pas l'équipement. Par exemple, si vous aviez des cordes, vous pourriez potentiellement tendre une corde avec à chaque extrémité du reste du pont ou ce genre de choses. Mais. Bon, bah écoutez, si vous préférez revenir plus tard, on reviendra plus tard. Hein. Dommage. Ça bougera pas d'ici. On peut déjà mieux se préparer. Ouais, enfin. On va rentrer à l'arche. On va être pris. Il y a toujours plein de trucs à faire à l'arche. L'ancien, il va nous les briser parce qu'on n'a rien ramené. Tout le monde va pleurer parce qu'on est en train de mourir. Là, on serait rentré en héros. Hein ? Oui, mais il y a des trucs à faire, Fletcher. Ok. T'es pas obligé de te rendre à la fatalité. Ce n'est pas parce qu'on ramène rien que là, c'est foutu. Après, si tu veux tirer une balle, vas-y. Je suis sûr qu'il y en a certains qui seraient contents. J'ai cru entendre qu'il y en avait peut-être qui avaient des dettes. Bon. Bon, bah, je remonte. Avant de voir les autres, hein, je leur dis, bon, on peut passer. On a pied. Facile. En plus, je suis sûr qu'il n'y a rien dans l'eau. Qu'est-ce que t'en penses, Venom ? Pas l'impression qu'il y ait grand-chose, mais bon. Ben voilà. Et Cassé, si on fait passer ton chien devant, il nous dira si il y a des dangers ou pas. Papout passera après toi. Après moi, mais ok, mais si on y va tous, il n'y a pas de souci. Tu serais prêt à passer devant, Fletcher ? Te jeter à l'eau ?
comme ça, sans savoir ce qu'il y a dedans. Écoutez, c'est pas vraiment l'eau qui m'intéresse. C'est ce qu'il y a après l'eau qui m'intéresse. Mais enfin, d'ailleurs, si vous voulez rentrer, on rentre. Peut-être hein. que j'avais des araignées dans ce coin. Hein? Il y avait des araignées dans ce coin. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Les araignées, ça nage pas. Peut-être qu'on sera plus en sécurité dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut décider un truc, parce que sinon, il va continuer à parler. Il y a que, en fait, quand tu t'adresses à Papou, et que tu le regardes un peu en disant, il va passer en premier. Le chien, il grogne. Il montre. Il te regarde et il grogne. Je rappelle que, à casser, que Papou n'aime pas Fletcher. Mais rentrons à l'arche. On va remonter une expédition avec du matos et on passera sans souci. Je me mets en marche vers l'arche alors, du coup. Je suis curieux de savoir comment l'arche a réagi. Si Kara est retournée avant nous, comment elle a pu expliquer qu'elle est rentrée toute seule là. C'est par là. On met vos grosses fesses. Je pense que ce sera déjà un exploit de tous revenir vivants. Et on n'est pas tous revenus vivants, il en manque une. Moi, je pense qu'elle s'en est très bien tirée toute seule. Ah, ça veut dire qu'elle nous aura abandonnés là-bas. C'est pas une fille à toi. Si. Et ce n'est pas parce que c'est une fille à moi qu'il faut en avoir confiance. Ah d'accord. Excuse-moi, moi je pensais que. Étant de confiance. Je sais pas. Bon, tu sais la politique. La politique. Oui. Moi, je pense que c'est pas que la politique qui est pourrie, n'est-ce pas, monsieur le commerçant? L'honnête commerçant. Bien, vous êtes honnête. On verra bien si jamais j'ai besoin de quelque chose, si vous me faites des prix honnêtes. Ah, pour vous, toujours. Allons-y. Ah, intéressant. Tu as cassé d'habitude, c'est tranquille dans la zone. C'est pour ça que j'aime bien y aller. Mais alors avec cela... Ah, putain. Oui, je me souviens, la dernière fois qu'on y est allé... On y est allé une fois ensemble, non? Ouais. Enfin, c'était très silencieux. C'était tranquille. Hein. Il n'y avait pas la quinzaine commerciale de l'Arche, là. Ouais, je sais ce que c'est une quinzaine commerciale. Ouais. J'ai lu ça sur un vieux truc. Bon, je râle un peu sur la route. Hein. Je parle dans ma barbe. J'en ai pas, mais... Vous contournez cette île et passez par le chemin sûr hein, que tu avais repéré, mon cher Venom. Yes. Vous avancez vers l'arche. Vous voyez d'ailleurs quelque sorte les, on va dire la silhouette assez particulière en fait de votre arche. C'est vrai qu'elle est un peu étalée sur une distance déjà. En approchant, il y a ce vieux panneau. Qu'on vous a dit une fois que le panneau est un grand panneau où est symbolisé la demeure de l'ancien dessus hein. Et avec il y a des grandes lettres, il en manque une partie. Un chroniqueur vous a dit une fois que c'est marqué le nom du grand personnage qui avait construit ce parc, puisque c'était le Lucas Park. Et vous arrivez, Yvan, et alors que vous arrivez, bah vous tombez un peu avant l'arche. Vous êtes à une centaine de mètres, hein, peut-être. Vous apercevez déjà les premières silhouettes, comme je disais, des bâtiments rassurants de votre chez-vous. Quand tu vois, vous voyez deux personnes de loin, sans doute des mutants. Qui semblent s'éloigner de l'arche. Ils sont au moins... Vous en voyez, ils sont trois. Ils vous ont pas vu, vous pensez. Ils se dirigent vers la zone.
Voilà. Je pourrais presque vous croiser, hein, mais ça serait peut-être une centaine de mètres près. Vous pouvez, si vous voulez, les pas vous en occuper. Ils continueront leur chemin. Gardez-les, ils vont piller notre île. Je vous l'avais dit, il fallait y aller. On les connaît ? Ouais, c'est un peu trop loin, en fait, pour voir quoi que ce soit. Non, pour ma part, je continue. Peut-être que c'est des gens à vous qui viennent vous chercher. Ça serait dommage qu'ils partent pour rien. Je ne pense pas qu'ils s'engagent comme ça tout seuls dans la zone. Ah, ils viennent de l'Arche, non ? Ah ouais, c'est bizarre, je comprends pas. Je pensais que tout le monde avait peur d'y aller et qu'on était les seuls courageux. Moi, je fais un signe, moi, comme ça. Eh ! Oh, je fais pareil. Je mourais d'envie de le faire, mais je n'osais pas. Et des grands gestes de bras en se tirant sur place. Très bien. Il reste regardé, et puis au bout d'un moment, l'un des trois semble s'avancer un peu, et puis finalement, un pas un peu déterminé, s'approche de vous, et vous le reconnaissez, c'est un renard, il s'appelle Issan. Ah, Issan, c'est Fletcher, tu le connais bien, tu fais des affaires avec lui. Et donc, Issan a la particularité d'être bien, bien visible au niveau de son apparence, puisque il a des ailes, des grandes ailes mouches ou libellules derrière le dos. Forcément. Il est habillé de vieux vêtements épais de couleur verte qu'il prétend qui permettent de le passer inaperçu dans la zone. Et tu le connais forcément aussi un tout petit peu, hein, mon cher Venom, puisque c'est un zonard. Hein. Il n'y en a pas des centaines, hein, de zonards au sein de l'Arche. Hein. Vous êtes plutôt une minorité. Lui s'approche de vous, les deux autres semblent attendre. Et puis, il fait un geste. Et puis, quand il vous reconnaît, le tueur. Alors, on fait des affaires tout seul. Des affaires tout seul? Ah non, mais non, je suis sorti là avec le groupe là, c'est bien, on a tous voté. On est allé chercher. Oui. Bon, c'est pas. Et toi, tu vas où là? Eh ben. J'accompagne. Les deux personnes, enfin. Chercher un guide. Et il pense que quelqu'un est parti. Enfin, on était inquiet de pas vous voir revenir. Du moins, certaines personnes étaient inquiètes de pas vous voir revenir et ils cherchaient un guide pour. Et en fait, il y a une chroniqueuse qui a disparu. Et certains pensaient que. Elle a pris le risque de partir à votre recherche. Une chroniqueuse? Oui. Qui ça? Il semble réfléchir. Comment il m'a dit? Astrina. Oh, c'est pas vrai, elle est partie toute seule? Mais en fait, je vous avouerai que. C'est pour ça qu'on n'est que trois à partir. Moi, je leur ai dit, on va juste regarder les environs. On va pas vraiment explorer la zone. En fait, elle a disparu. Elle a complètement disparu, quoi. Et on l'a vu quitter l'Arche ? Non, pas spécialement. Donc, c'est pour ça que...
Il y a quelques personnes qui la connaissaient qui ont prétendu que apparemment elle était assez inquiète pour vous. Enfin, pour certains d'entre vous, semble-t-il. Bon, moi, je suis pas. Moi, je la connais pas particulièrement. Hein. Je me suis juste proposé comme ça par pour être volontaire, quoi. Bah, tu crois qu'elle sera allée dans la zone comme ça? C'est qui les deux loustiques du coup derrière toi? Ah bah là, c'est y a un chroniqueur qui la connaît bien et puis là j'ai son larbin. Enfin comme je vous dis, on va juste faire les environs. Hein. Bah. Il n'y a pas moyen que j'ai une idée que je sache si elle a pu partir ou si. Bah non, comme ça. Après, toi, ça te semble un peu. Enfin, tu sais pas. Après, c'est vrai que vous êtes proche. Vous étiez inquiet. Après, partir seul dans la zone, c'est quand même. Non, c'est peut-être pas son. Il y a des membres de notre expédition qui sont déjà revenus. Il y a Kara. Et qu'est-ce qu'elle avait dit, Kara? Je vous avoue qu'elle n'a pas dit grand-chose de ce que je sais. En fait, justement, Laurie, le chroniqueur, venez, on va aller les voir. Il y a Laurie là-bas et il y a la longue. Ils pourront vous en dire plus parce qu'en fait, Laurie, il a interrogé Kara quand elle est revenue et savoir justement si elle avait vu Astrina. Mais apparemment, elle a prétendu que non. Donc c'est plus à Laurie qu'il faudrait parler. Ok. Moi, pendant qu'on marche jusqu'au chroniqueur et son larbin, je prends mon pote Issan un peu par l'épaule à part. Je lui dis, tu sais, si tu vas un peu plus loin là-bas, il y a une petite île. Alors c'est loin, hein. Attention, vous avez marché plusieurs heures. Je sais, mais enfin, je lui explique par où on est passé. Et je lui dis, par là-bas. T'as le temps, hein, si... Il y a une petite île là-bas, inexplorée. On peut y passer, je pense. Si tu vas là-bas, je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire des balles. Si tu trouves des trucs intéressants, viens me voir, parce que... Je te paierai comme il faut. C'est quoi l'entourloupe? Ah non, il n'y a pas d'entourloupe. J'ai voulu y aller, mais ceux-là, là, ils se sont... comment dire... se sont fait dessus. Moi, je pensais avec un caïd comme Franck et un zonard comme Bédon, je pensais qu'on allait aller voir, mais apparemment, c'est trop dangereux pour eux. Pour moi, il n'y a pas de danger. Hein. Le Venom a dit qu'il y avait des araignées. Bon, tu connais les araignées, ça. Il n'y a pas de souci pour toi. Ah oui. Mais il n'y a rien dans l'eau. Normalement, il n'y a rien dans l'eau. Il n'y a que des araignées de la zone. Et tu sais ce que c'est, ces bestioles-là? Ah bah c'est, je suppose c'est des saloperies, mais faut pas. T'es habitué. Faut pas. Ouais. Tu laisses faire les pros dans la zone. Bah justement. Continue avant. J'y étais, je suis pas mort. Continue à te contenter de ce que je te ramène, hein. Tu fais du business. Et laisse les vrais jobs aux gens qui savent faire. Hein, c'est ça. Déjà. Moi j'ai gagné déjà 4 balles, rien qu'à trimballer les deux zozos là autour de l'arche. Voilà, ça c'est du business facile, tu vois. Au lieu d'aller à la chasse avec des araignées, t'es gentil, toi. Eh oui, mais 4 balles, c'est quoi? C'est rien, ça. Je te parle de tu m'obtiens un peu de matos, alors. Quelques balles, déjà, parce que les araignées... Et puis, il va me falloir un peu d'équipement, quoi. Si tu me dis qu'il y a de l'eau à traverser... Je pourrais, mais il va falloir que j'engage... Je connais...
peut avoir de la gangrène dans l'eau. Bah écoute, moi, je t'ai refilé le tuyau, hein. Tu vas pas, tant pis. Trouvez bien de quoi. Un moment où on va y aller. Tu sais qu'on pourrait... Je connais Cassio. Cassio, ça t'intéresse. Rappelle-moi. Ah, Cassio, quand il te dit sur le coup, effectivement, ça te dit rien. Inessie, Cassio. La face dentée, là. Quatre bras, molosse. Ouais. C'est un amphibien aussi. Ah, pas mal, ça. Bah, par contre, il regarde un peu le petit groupe qui est... avec Franck, il dit... Par contre... Cassio... marche avec Johamed. Ah. Effectivement, ça peut poser un problème. Ouais. Faudrait quelques balles, quoi. Mais, bon. Ça fait une bonne armoire à glace. Ça me ferait quelqu'un pour... avec Cassio, effectivement, je pourrais aller me frotter aux araignées. Il ne fera pas ça pour rien, quoi. Donc il me faudrait une avance sur ce qu'on pourrait ramener. Ah, t'as besoin de combien? Ouais, 3 balles. 3 balles? Non, pas de... Tiens, prends ça, mon ami. Mais je veux l'exclusivité sur ce que tu vas trouver là-bas. On est d'accord? Bien sûr. Allez. Deal done. Je lui donne 3 balles. On va faire affaire. Bon, oh, et puis il repart, il s'éloigne de Géomètre. De comment, de Fletcher. Bon, allez, regardez, Laurie. Effectivement, ben. Vous voyez, Laurie. C'est un chroniqueur, hein, vous l'avez. Vous l'avez déjà vu une fois. Il est accompagné comme d'accoutumé d'un larbin, en fait, qui est en compagne générale. Et il vient vers vous. Alors, vous n'avez pas vu Astrina? Ben, on l'a pas vu, mais elle serait pas allée dans la zone toute seule. Je dirais. Vous avez bouffé des champis à l'arche pendant qu'on n'était pas là, ou quoi? Ben non, mais elle a disparu et... Elle était très inquiète suite au retour. Voilà. Elle était très inquiète, vous ne voyez pas. Et... En plus, bon, voilà. Kara n'est pas revenue. Enfin, Kara est revenue sans vous. Elle a prétendu qu'elle avait vu ni Astrina, ni vous, ni... Elle vous avait perdu dans la zone. Ouais. Je comprends pourquoi c'est elle qui allait plus loin dans la zone, si elle abandonne tous ses compagnons en route à la moindre difficulté. La moindre difficulté. Ouais, elle aurait pu au moins nous attendre en haut des boulis, non? Ou je sais pas. Excuse-moi, mais... On n'a pas non plus mis 8 jours à sortir du truc, quoi. Donc ça, c'est Laurie. Paniqueur. Reptilien. Et personne. Tu fais pas gaffe, Laurie, t'as un truc coincé entre les dents, là. J'en étais sûr. Bon, je suis pas sûr que c'est le moment de rire. Et vous avez bien passé l'arche au peigne fin, parce que... Astrina, t'es quand même d'accord avec moi, c'est pas du style à aller dans la zone comme ça toute seule, sans escorte. Ben, vous savez, elle... Elle avait une certaine soif de liberté, hein. On parlait souvent de l'Éden, ce qu'on pouvait y trouver à l'extérieur. On disait que sans doute il y avait une possibilité d'une autre vie hors de l'Arche. Ouais. C'est peut-être lancé, hein. Et c'est vrai que je suis inquiet. J'espérais que grâce à Issam, on trouve quelques traces,
quelque chose. Aïssan, tout ce qu'il a fait, c'est prendre vos balles. Bah, attention au Venom, Aïssan, c'est pas n'importe qui. S'il les amène dans la zone pour chercher, il va chercher, il tient ses engagements. Après, ouais, ça veut pas dire qu'il vaut la peine. S'il te plaît, Venom, c'est pas parce que t'as manqué l'affaire là. C'est toi qui les guide jusqu'ici. Bon. Non, mais je dis pas que t'as eu tort, hein. Je dis simplement que chercher Astrena dans la zone. Ah ouais, pourquoi pas, écoute. Ah ben, on lui a demandé, il c'est leur problème. Il y a, ah ouais, a Laurie en tout cas qui dit, en tout cas, apparemment, elle a laissé aucune trace. Ouais, c'est pas, étonnant. Ouais. Mais si vous lui donnez 5 balles supplémentaires, il vous fait encore aller encore plus loin. Pardon, vas-y. Désolé, c'est moi. Elle a rien dit à personne. Non. Bah non, c'est ça qui nous inquiète d'ailleurs. Elle est partie sans... C'est vraiment, voilà, sans laisser de traces. Moi j'avais espoir qu'elle avait quitté l'âge. Pour suite à... Voilà. Quitter l'arche suite à ton absence, c'est cassé. Après, je dois t'avouer, cassé, que pour l'instant, ça n'inquiète pas grand monde, peut-être à part parler des gens proches, comme moi. Elle n'a pas disparu depuis bien longtemps, mais tu la connais bien, elle n'est pas, même si, comme je l'ai dit, elle avait l'esprit. Enfin, je trouve étrange qu'elle ait disparu vraiment sans rien dire, effectivement, à personne. Comme ça, quoi. Je peux me tromper, mais donc, je me suis dit peut-être que. Voilà. J'aurais espéré que toi, tu aurais peut-être eu des infos également sur ce qu'elle aurait pu faire, ou l'endroit où aller. Elle a pris son cahier. Cahier ? Bah, les chroniqueurs, ils ont tous un cahier, non ? Oui, en général, oui. On n'a pas... J'ai pas fait spécialement fait attention si son cahier avait quitté son lieu de vie. Je dis rien, mais je pense très très fort que si Astrina elle est partie toute seule dans la zone parce qu'elle a été inquiétée à cause de Kara, je tuerai Kara. Mais je dis rien. Alors, dis rien. D'après, non, attention, d'après la chronologie qu'ils te disent, elle est partie, elle a disparu avant le retour de Kara. Parce qu'ils lui ont demandé si elle avait vu Astrina. Ah, d'accord, j'avais pas compris comme ça, merci. Désolé. Okay. Tu peux la tuer quand même. Tu peux la tuer quand même. Bah non, après, c'est eux qu'on parle, vous vouliez peut-être leur parler, parce que c'est Laurie, entre autres, apparemment, a parlé à Kara. Laurie, t'as parlé à Kara? Oui. Elle t'a raconté son voyage dans la zone avec nous. Oui, ben, c'est pour ça que vous allez en surprendre. Je crois que certains vous croyaient décédés. Elle a parlé qu'un bâtiment s'était effondré sur vous. Et elle avait dû fuir des ghouls. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Elle m'a dit après... Effectivement, moi je l'ai après beaucoup interrogé sur Astrina. Voilà. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu, mais que pour elle, et puis les quelques-uns qui se sont interrogés sur vous, elle a affirmé que pour elle, vous deviez être mort. Et elle est revenue il y a pas si longtemps que ça, hier soir. Il était d'ailleurs très tard. Je ne l'ai pas revue depuis ce matin.
Je l'ai cherché d'ailleurs pour donner d'autres informations. Je ne l'ai pas revu. Et d'ailleurs, là, c'est là où il se tourne vers Issan. C'est Issan, tu me disais qu'elle était à l'arène. Issan. J'ai cru entendre des gens qui. Un bruit qui courait comme quoi, apparemment, elle serait allée voir Vera. C'est intéressant tout ça, dis-moi. Comme quoi. J'aurais pas changé d'allégeance, ton ami. Mon ami, faut le dire vite. J'ai des choses à tirer au clair, effectivement, oui. Bon, par contre, si vous n'avez plus rien forcément à nous demander, on va quand même tenter notre chance autour de l'arche, voir si on trouve éventuellement des traces ou quoi que ce soit. Sait-on jamais. On sait déjà qu'elle n'est pas partie d'où vous venez. Ouais. Eh ben, on va pas vous déranger plus longtemps, effectivement. Bon courage. On a des choses à faire à l'arche. Merci. Moi, je les laisse s'éloigner. Moi, je repars vers l'arche, hein, du coup. Bah, ils s'éloignent. Je te suis. Bah, ouais, pareil. Eh bien. Vous arrivez dans l'arche. Pénétrer dans l'arche, vous tombez nez à nez avec va vous faire rire avec Bok. Il pousse un caddie et il vous voit, et puis quand il vous voit, il court un peu en poussant son caddie. Il est assez grand, ouais, Bok, même très grand. Il doit faire pas loin des 2 mètres. Bon colosse. Vous savez que c'est un larbe, hein. Et il pousse son caddie, et puis qui a plein de breloques dedans, qui des babioles, des choses en tout genre. Qu'il donne ou revend, enfin qu'il échange ou revend pour le compte d'une autre zonarde. Et il arrive un peu précipitamment. Oh, on vous croyait mort. Eh bien non, comme tu peux le voir. On est des fantômes. Oh non. J'ai déjà vu des fantômes. Ils parlent pas. Non. T'inquiète pas, on revient toujours à bon port. Ah. Je suis rassuré. Parce que bientôt, Mirac, hein, m'a dit que on allait devoir sortir dans la zone un peu farfouillée. Si vous voulez des petites choses, elle m'a dit, hein. Elle m'a dit de. Voilà, n'hésitez pas à demander. À notre retour, il y aura moyen de faire des affaires. Il te jette un regard à toi, forcément, Fletcher, quand il dit ça. Mais bon, travail qui veut bien. Hein. C'est un super truc, d'ailleurs, là. Attendez, il fouille, et puis il y a de la ferraille, il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs inutiles. Puis il sort un tube. Un tube en carton, et puis qui est un peu humide, et puis il ouvre un bouchon, et puis dedans il y a un papier enroulé. Il dit j'ai ça, puis il déplie, et puis il déplie, et puis vous voyez une grande image magnifique. Vous avez rarement vu une image aussi belle, et dessus vous allez juste me faire un test de connaissance. Compréhension. On reste tous bouche bée.
Est-ce qu'il y en a qui ont réussi leur test de compréhension? Et moi. Et... Ouais, moi aussi. Venom. Venom. Très bien. Alors pour ceux qui, voilà, vous voyez une magnifique photo, enfin un magnifique dessin où on, alors c'est impressionnant, on se demande comment ils ont fait, enfin ça doit être une image des anciens, et sur cette image des anciens, eh bien, c'est voilà. Je cherchais l'image que vous voyez. C'est impressionnant parce que vous voyez un homme debout qui semble être sur devant une voiture presque en flamme. Et puis l'homme a un uniforme. Et puis il tient un pistolet ou un canon, vous savez pas. Puis il a un casque. Puis, magnifique. Oh, vous avez eu une représentation des anciens comme ils étaient. Ils étaient beaux, ils étaient brillants. Et par contre, ceux qui ont la thèse de compréhension, vous savez que ça doit être une affiche de les anciens, ils avaient des spectacles qui montraient sur des grands écrans. Et ça doit être une affiche de ce genre-là. Et vous avez... Alors, lire, c'est toujours compliqué, mais vous arrivez quand même à lire les... Deux mots et difficilement, mais ça doit être Mad et Max. C'est pas. Ou c'est ça qui vous montre. On a trouvé ça. Vous voulez? Je vous l'échange. Hein? Contre merci, Bok. Contre deux flottes. Deux bouteilles de flotte. Ouais. Deux flottes? Et, attends, ouais. Deux flottes? Beaucoup de flottes. De flotte. Bah, y a pas beaucoup d'eau en ce moment. J'ai soif. T'es sûr? Tu veux pas plutôt de la bouffe? La bouffe? Ah ouais. Ouais, de la bouffe. Ah, allez. Je veux bien la bouffe. De la bouffe? Ouais, une bouffe. Et une bonne. Pas de la truc dégueulasse que t'as l'habitude. Moi, j'ai la bonne bouffe. Ah d'accord, t'as de la bonne bouffe, sans pas hésiter. Parce que faut pas que je peux pas savoir, hein. Parce que franchement, Mirac, elle a encore me tapé sur les doigts, et puis sur la tête aussi. Et non, puis dans le dos, et ça, après ça fait mal. Parce que ouais, la batte de baseball, quand même, ça me tape beaucoup sur les doigts, ça fait mal. Hein. Non mais tu me connais, Bok, je suis un honnête commerçant, je t'arnaquerai pas. Tu veux faire un test alors c'est attends, je retrouve cette empathie manipulation forcément. Oh, qu'est-ce que j'ai donné dans cette compétence, c'est bizarre. Le rêve qu'as-tu comme dé Alors, je regarde quand même en manipulation ce que ça peut t'offrir et des prouesses. Donc, moi j'ai la compétence conclure à marcher. Tu sais, ouais. La doute ou le peur. En plus, la doute ou peur. Alors, c'est. En fait, tu lui mets tellement de doute, il a l'air complet. Parce que tu viens de le briser dans le doute, en fait. Et il reste scotché. Et ouais, tiens. Et il te donne la fiche et le tube. Et tu vois qu'il part. Et en fait, il oublie de prendre la bouffe. Ok, parfait. Et il est là. Hey, vous oubliez pas. Mirac, elle m'a dit, on va partir, on va faire une sortie avec. Et on ramènera des choses. T'inquiète, reviens me voir. N'hésitez pas à venir nous voir. Toujours un plaisir. À notre retour. Faut venir nous voir à notre retour. Souvenez-vous. Puis il s'en va. Suite à ça. Il s'en va avec son caddie. Où allez-vous? Vous êtes donc à l'entrée du parc. enfin, de l'arche.
dans mon et secteur. Maintenant, libre à vous d'aller où vous voulez, et d'aller parler à qui vous voulez, faire ce que vous voulez. Vous savez que, effectivement, Kara, apparemment, est revenu. Certains s'en doutaient. Vous savez que, par contre, Astrina a disparu. Voilà. Moi, est-ce que je sais où il faut aller pour nettoyer ma bouffe, là ? Tu m'avais dit que c'était une sorte de cuistot, je sais pas quoi, mais... Alors, il faut un cuistot. Il faut un cuistot. Maintenant, quand le mieux dans ce genre de cas, c'est de faire appel à... Ça va te plaire. Et ça serait de faire appel à un combinat. Yeah. Trouver la personne qui va te trouver ce genre de particularité va s'informer. Il va te... Voilà. Alors j'aurais demandé à Fletcher avant de le quitter. Oui ? De quoi ? Fletcher. On trouverait quelqu'un qui pourrait cuisiner cette bouffe-là pour la rendre mangeable. Oui, oui, sûrement. Vous connaissez quelqu'un ? Ah ben... Je sais pas. Et tu ne sais pas. C'est, tu vas devoir chercher. Moi. Pour ça, je vais continuer à trouver. Ok. C'est ta compétence spéciale, mon cher. La mienne ? Oui, la tienne. Tu peux obtenir... de la bouffe, tu peux obtenir des choses comme ça, la nourriture, et tu peux obtenir aussi des informations. Donc, ça peut être, voilà. Bon, je sais plus, c'est laquelle. La tienne, c'est... conclure un marché. C'est ça. Compétence spéciale, conclure un marché. Tu dois avoir des points dedans. T'as pas de points dedans. Si, j'ai deux en plus. Je lance. Je te rappelle la friction des conflits. Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous exploitez vos talents pour déterminer les besoins des autres et les satisfaire. Mais tout a un prix. Vous avez des infos croustillantes sur presque tout le monde dans l'arche et vous pouvez mettre main sur à peu près n'importe quoi. Conclure un marché sert généralement à dénicher un contact qui pourra vous fournir quelque chose dont vous avez besoin, que ce soit de la bouffe, de l'eau, de l'équipement ou un service particulier. Ok. Donc, voilà. Je vais te dire ça un peu. Ah. Pas sûr. Attends, je réfléchis un peu plus. Laisse-moi réfléchir parce que. Ah! Tu perds un point en empathie. Ouais. On fait. Et tu réfléchis. Alors au début, t'as rien qui te vient. Tu te dis qu'il va falloir faire marcher tes relations. Mais après, tu te dis, mais si, tu connais quelqu'un qui bricole pas mal et qui aura moyen de te fournir ça, par contre, effectivement. Ce qui t'embête, c'est que c'est un fan de cuisine, c'est un fan de bricolage, et c'est un rafistoleur. Il s'appelle Pontiac. Voilà. Sachant que Pontiac, c'est pas l'amour fou. Ouais. Mais Pontiac, je pense que les dernières fois, il avait réussi à cuisiner de la bouffe gangrénée, comme ça. Ok, bah du coup, j'indique à Venom que je connais un mec Pontiac qui, c'est un con, hein. Mais je sais qui c'est. Merde. Ouais, mais je sais qui c'est cuisiner la bouffe gangrénée. Donc, moi, je vais pas le voir. Je t'indique où il est, mais je vais pas le voir. Par contre, d'accord, c'est... Donnant, il y a un peu de bouffe pour moi. Bah, évidemment, je pensais bien que tu dirais pas ça gratuitement, mec.
Ok. Tu veux la gangrener, tu peux la bouffer, parce que je t'ai vu bouffer des trucs, ça me fait un peu peur, donc... Non, 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 si c'est pas... quelque chose qui cuisine, l'autre, là. Non, écoute, moi, si c'est pas sur pâte, ça... Faut que ça soit sur pâte, tu vois, encore un peu frais. Là, ok, si je te chope des rognons de goule, je te tiens au courant. Ça marche. Sinon, t'auras ce que j'aurais réussi à faire cuisiner. Ok, merci. Du coup, je lui indique où trouver Pontiac, cher ami. Alors, libre à toi de me dire où se trouve Pontiac, hein. Pontiac, forcément, loin de moi. Il est vers les arènes, là-bas. Tiens, je vais te... Ah. Il est là-dedans. Et il est la maison de... du hut. C'est ça. Il est dans sa hutte. Ouais, je me dirige. Très bien. Donc, Tu te diriges vers la hutte de Pontiac. Alors, on va marquer Pontiac. Cassé et Franck, que faites-vous côté. Moi, je vais retourner dans mon secteur. Ça, je vais chercher pas trop Evan. Loin. Hein. Donc tu te diriges vers le bastion, c'est bien ça? Tout à fait. Tu te diriges vers le bastion, qui est le nom du destroyer. C'est mieux que destroyer interstellaire de l'Empire. Ouais, que vous ne savez pas ce que c'est. Surnommé le bastion. Cassé, toi, que fais-tu? Moi, je vais chez Astrina. Toi, tu vas chez Astrina. Très bien. Astrina, elle habite où, Astrina? Elle habite pas trop loin de ma planque. C'est vraiment dans le même bâtiment, mais c'est juste l'étage au-dessus ou une connerie comme ça. D'accord, elle habite dans le même bâtiment que toi. Très bien. Et ok. Eh bien, tu arrives... Franck, t'arrives, et puis t'as la joie de... En fait, assez vite, quand t'arrives, tu vois Elon et la hyène. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer là. Ça fait tous ces petits groupes. Donc, Elon, qui est un... au niveau carrure, rien à jalouser par rapport à Bok. Ce qui. Elon a 4 bras. En plus d'avoir beaucoup de muscles, il a 4 bras. Il est réputé comme étant le bras droit finalement de Franck. Et la hyène, qui a rien à voir en fait. Puisque la hyène est une femme qui, au premier abord, paraît un peu agile, mais presque à côté, surtout d'Elon, presque frêle. On dit presque, hein, parce qu'elle mesure quand même. Ça reste une fracasseuse, elle mesure quand même 1m90, la petite. Et puis, elle est grande, elle est assez fine, mais. Elle est pas elle est un peu sèche et elle a plutôt mauvaise réputation. On l'a dit un peu un tantinet hystérique, psychotique, névrosé. Enfin bref, Et Elon, il lui tape dans le dos quand il voit de loin et t'entends la grosse voix d'Elon. Oh, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il reviendrait, je t'avais dit que Franck il allait pas tomber comme ça. Et puis il vient d'un pas un peu déterminé vers toi. Ah, en écartant ses 4 bras. Ah, Franck. Ouais, moi je croyais pas carreau. Je l'avais dit aux autres de se tenir à carreau jusqu'à ton retour. Donc je comprends que tout le monde est ici. Personne s'est barré, pas sur moi. T'appuies pas. La batterie est capoute.
Allô, allô. ça a discuté, forcément. Tu peux pas l'en vouloir. Non, je l'en veux pas. Ils disent, bah, mais ils ont pas quitté le navire. Ni le bastion. Bon, ils avaient peur que je les aligne. C'est bien, je peux toujours compter sur toi. Bien sûr, tu sais bien. Voilà. On a entendu parler que Kara était revenue, mais elle est pas revenue nous voir. D'ailleurs, vous avez des informations à propos d'elle ou pas? Moi, j'ai entendu dire qu'elle était près de l'arène. C'est un bruit qui court. Hein. Parce que ça voudrait dire qu'il y en a certains qui essayent. Certains. C'est ce que m'a dit. Il réfléchit et puis. Ouais, j'ai entendu ça. Effectivement, j'ai entendu ça également. Qu'elle tournerait autour de l'arène. Il va falloir que je creuse cette histoire. S'il y en a certains qui me cherchent des noises, il va falloir qu'on les calme tout de suite. Il manquerait plus que la despote vienne me faire chier. Pourtant, c'est plutôt calme. Malgré ton. Le fait que t'avais soi-disant disparu, on se serait peut-être attendu à. Recevoir de la visite, mais même pas. Une soi-disant disparition. Kara qui vient revient pas vers vous, qui va directement se cacher vers l'arène. En même temps... Peut-être que je m'avance, mais il y a des choses à creuser. Je pense que maintenant qu'elle va savoir que t'es pas mort, effectivement, elle va se planquer. On va mettre quelqu'un derrière elle. Moi, je veux avoir des... Je veux savoir ce qu'elle sait, cette Kara. Je veux lui parler. Mais nous raconter ce qui s'est passé. Disons qu'elle nous a laissé tomber dans un trou. Qu'elle n'est pas venue nous chercher. J'ai cru comprendre qu'elle s'est fait attaquer par des ghouls, mais même si on en a vu quelques-unes, on n'en a pas trouvé une seule une fois sortie de ce trou. T'es sous ton aile, quoi. T'es avec nous. Oui, bien sûr, mais bon, comme tu l'as dit toi-même, certains étaient prêts à se barrer, me sachant mort. Ouais, mais c'est sachant mort. C'est différent que d'essayer de te tuer. Attention. Oui, mais les gens peuvent changer facilement. Puis il y a la hyène qui est là, qui joue avec un couteau en fait, en train de se nettoyer, se curer les ongles avec un couteau, mais c'est pas le petit couteau quoi, c'est l'espèce de gros truc rouillé en plus. Hein. Mais si tu veux, moi je m'en occupe. Hein. Moi je vais aller la chercher. Et puis. Je vais les faire regretter de t'avoir fait du mal. Parce que moi, j'aime bien faire du mal aux gens qui font du mal. Je la veux vivante, la hyène. Je la veux pas morte. Eh ben, ça peut s'arranger. Elle peut respirer encore après. Si t'es prête à t'engager à me la ramener vivante, je te mets sur le coup, il n'y a aucun problème. Mais je la veux vivante. Tu me demandes d'aller la chercher? S'il te plaît, oui. Mais... Essaye de faire en sorte de ne pas se faire choper par la despote. Manquerait plus que je dois y aller te chercher en plus. Tu vas me faire un test. Un petit test. De commandement. De ta compétence commandement. Tu vas me dire déjà si tu obtiens un bonus. Tu vas avoir. Ou des malus. Tu vas me dire ce que tu proposes. À savoir que tu peux avoir des bonus si tu lui proposes une récompense, par exemple, ou quelque chose à gagner. Si la tâche demandée présente peu de risques, ça c'est pas trop le cas. Elle est fourrée dans comment ? Elle est fouillée dans le camp de l'ennemi, c'est pas vraiment de Vera, c'est pas forcément sans risque. Non mais je lui file des balles, je lui file 2 balles. Donc tu vas avoir un plus 1. Je regarde. Non. Normalement, tu aurais un autre plus 1 parce que... Là, tu vas avoir un plus 1. Vas-y. Putain, sur toute cette roulotte de dés, j'ai qu'un 6. Ouais. Bah voilà. Bah en tout cas... Elle accepte. Elle accepte. Elle dit, t'inquiète pas. Discrétion. Bon, tu sais que tes hommes, c'est pas forcément leur force, c'est pas la discrétion, mais...
Mais, après, pour le coup, là, hier, je crois que... Peut-être la moins pire, je pense, du groupe. Ouais, elle a moins en vigueur, en fait, que les autres. Je lui ai baissé en vigueur et monté en agilité, en fait. Donc, elle est plus agile que les autres fracasseurs, en fait. Ah oui, j'ai leur stat. J'avais pas vu que j'avais leur stat, ouais. Effectivement. Donc, elle a 4-4, tandis que les autres, un fracasseur de base, normalement, a 5-3-2-2. Et elle a la 4-4-2. Donc, elle dit, ouais, je vais m'en occuper. Tu vas voir. La Cara. Petite Cara. Voilà. Sur ces belles paroles de cette charmante demoiselle, ma chère Cassé, toi, tu arrives donc tu arrives près de ta planque. Tu arrives à la planque de l'Astrida. Je rentre et puis je sais pas, je regarde si c'est comme d'habitude, si elle a laissé des trucs, si elle a pris des trucs qu'elle a pas l'habitude de prendre. Son carnet n'est pas là, effectivement. Mais effectivement, est-ce que Astrina se sépare même de son carnet, même pour dormir, elle doit toujours l'avoir sur elle. Et non, effectivement, il n'y a rien, rien n'a bougé pratiquement, quoi. T'as l'impression qu'elle va arriver d'ici 2 minutes, quoi. Effectivement, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fouilles, qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, je fouille, je regarde si elle m'a pas laissé un mot que je pourrais pas lire ou ce genre de truc. Tu trouves dissimulé, enfin, c'est pas vraiment dissimulé, mais on va dire bien rangé plutôt, à côté de son lit. C'est assez sommaire, hein. C'est comme vous, hein. Vos lits, voilà, c'est une vieille paillasse avec une couverture dessus, c'est très frugal. Et tu vois qu'en fait, plus ou moins dissimulé, rangé presque sous la couverture qui couvre la paillasse, il y a un plan. Du moins tu vois des lignes qui peuvent correspondre à un plan, et tu vois il y a plein d'écritures écrites en tout petit, en pattes de mouche. Seul problème, c'est que ça, c'est un, ben toi, tu sais pas lire, quoi. Lire 2-3 mots comme ça, hein. Basique, ça va, mais comme ça, autrement, tu ne sais pas lire. En tout cas, tu es sûr, l'écriture qu'il y a en pattes de mouche, c'est l'écriture d'Astrina. Et après, par contre, tu vois plein de lignes. C'est un plan, mais le plan, c'est clairement pas Astrina qui l'a fait. Ce plan, c'est... il est presque délavé, mais ça, c'est un document qui date des temps d'avant, quoi. Et t'arrives pas à voir ce que c'est comme plan. Et c'est plein de lignes noires, grises. T'as l'impression que c'est un labyrinthe, un peu. Très complexe. Et t'arrives pas à voir ce que c'est. Je le prends. Au cas où je croiserai quelqu'un qui pourrait le lire. Sinon, je le rendrai à Strina quand je la croiserai. Mon cher Fletcher, toi, qui fais-tu? Ah, moi, je suis reparti. Je suis reparti à ma planque, j'ai déposé. J'ai regardé s'il n'y a rien qui manquait, bien sûr. J'ai déposé la belle photo de Bock. Et puis aussi, je laisse plusieurs balles aussi dans ma planque. Et ensuite. Je fais rien de spécial. Moi, je suis plutôt intrigué par
Cette Kara là qui aurait dû être avec nous. Et du coup, moi, comme j'ai pas de. De limitation. Pour me balader dans l'arche, je vais aller voir moi si je la trouve pas. Enfin, du côté pas de limitation, l'arène. Pas limitation. Je suis pas un homme de. Je suis un homme de personne. Tu es l'homme de personne, mais bon, disons que t'es quand même assez proche, plus d'un que des deux autres. Oui, oui, mais bon, je me dis, je vais pas me faire trucider sur place si j'entre dans le coin là-bas, quoi. Tu peux aller la voir. Hein, oui, je vais aller voir quand même, si je la trouve. Tu sais très bien qu'elle est charmante, d'ailleurs. Voilà, bah, t'es presque sur la même route, d'ailleurs, que notre cher Venom. Finalement, lui n'est pas passé chez lui avant. Hein, et... Il dirige vers chez Pontiac. Ouais. Bah, Pontiac, c'est un récupérateur. Il arrive. Et t'as pas trop de mal à le trouver. Peut-être que tu demandes à un ou deux mutants que tu croises où est ce dénommé Pontiac. Et en fait, on te montre non loin des ruines du bâtiment que t'as indiqué Fletcher. Tu vois un monticule de briques et de brocs entassés, accrochés entre eux. Il y a une antenne télé, enfin, il y a beaucoup de ferraille comme ça, ça forme une espèce de sculpture improbable. Et on dit qu'il est là, que Pontiac, c'est là que tu le trouves.